Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de matériel avec un livre qui nous vient de chez Ortho Edition et qui s'intitule Daisy Nudie. Il a été créé sur le même principe que Dire ou ne pas dire et créé également par Laurence Gleda-Wilkin. Celui-ci est composé de trois grandes parties, 8 professions, 8 sports et 8 lieux. Et il vous sera très utile pour travailler le lexique, la compréhension avec des patients cérébro-lésés ou atteints de démence et ayant conservé ou non le langage oral. Je commence par vous présenter les différentes professions. Le pompier, le boulanger, le coiffeur, le docteur, l'instituteur, le facteur et l'agriculteur. Au niveau des sports, vous avez le football, le tennis, le rugby, la gymnastique, l'équitation, le cyclisme, la danse, et le basket. Dans la troisième et dernière partie, donc avec les lieux, vous avez la ville, la campagne, la mer, la montagne, la forêt, le cirque, le zoo et la fête foraine. Comme pour dire ou ne pas dire, vous avez donc un côté patient avec une image et un côté thérapeute avec différentes questions. Je vais vous montrer plus en profondeur pour par exemple le thème de la fête foraine, un peu tout le style d'exercice que vous pourrez y trouver. Le patient observe la scène imagée et choisit ensuite les bonnes descriptions. Il pourra également répondre à quelques vrais ou faux. Il aura ensuite une planche représentant différentes images et il devra désigner et ou dénommer donc tout ce que l'on peut retrouver par rapport à la scène qu'il aura observée, donc ici la fête foraine. Vous avez ensuite des phrases à compléter et le patient lui pourra s'aider du tableau avec les mots, soit pour les désigner s'il n'y a plus de paroles, soit tout simplement pour s'aider si les phrases lui paraissent peut-être un peu plus complexes. Une autre chose intéressante, après 4 professions, 4 sports et 4 lieux, vous avez une synthèse avec les 4 donc scènes que vous aurez pu observer précédemment. Et évidemment, un autre atout majeur de ce bouquin, c'est l'utilisation de véritables photos qui vous permettent une utilisation très aisée avec les adultes. Voici donc pour ce nouveau matériel de chez Ortho Edition. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger un échantillon gratuitement sur mon blog J'imagines Blog. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation de matériel.